Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz pour Mars, la chaîne du Japon et du Béret. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, non, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos là surmues et très dures. Hein? Regardez, voilà, vous connaissez l'histoire de Blaise Option et Melissa et Laté, non? Oui, l'histoire de tromper, dit que Blaise Option dit que Melissa et Laté le trompait avec le voisin et tout, hein? La fête qui avait chauffé comme ça, ils sont séparés. Ah ouais? Oui? Melissa et Laté. Après cette séparation, Blaise Option a commencé à s'afficher avec sa nouvelle go, non? Pour dire que toi, Melissa et Laté, là, j'ai tourné la page. J'ai tourné la page sur toi. Oui, je suis déjà avec une. J'ai trouvé une nouvelle. Coucou. Une nouvelle go qui me plaît. Et il l'a amené à go ou à Dubaï. Comme tu aimais dire que non. Que tu l'as trompé. Pourquoi? Parce qu'il est chiche. Tu dis que Blaise Option est chiche. Voilà pourquoi tu peux le tromper. Écoutez même. Écoutez le matérialisme d'une femme. Je t'ai trompé parce que tu es chiche. C'est pas que les femmes qui trompent, certaines femmes trompent les maris parce que le mari sort, il rentre tard, il ne l'aime ou même plus, machine, et pas, il trompe. D'autres que le mari voyage trop, oh, c'est monté et descendu. Comme celui qui a voyagé dernièrement, là, il dit à sa femme que. Je voulais faire une vidéo sur le truc là, sur l'événement là qui s'est passé au Cameroun. Donc il dit à la femme qu'il voyage. Il part, hein, fait un voyage de travail. Oui, pourtant il part chez la Tisa. Et il part maintenant chez la Tisa, il compte. Deux, ping, 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 ping. Il y a un autre là-bas. Hein, quoi. Donc là, tu trompes ta femme, tu manques ta femme que tu pars en voyage de. Voyage d'affaires. Tu pars chez la Tisa. Tu trouves la Tisa avec un autre. Hey, vraiment. Regarde, là, c'est. Non, le gars, c'est vraiment. Donc, je veux voilà dire qu'il y a les femmes qui trompent leur mari parce qu'ils ont, elles ont les maris comme celui-ci-là qui inventent les voyages d'affaires et tout cela, oui. Mais toi, c'est parce que ton mari est chiche. Yes. Ça, c'est une raison, hein. Très valable, n'est-ce pas? Minalmité. Moi, tu dis que non, mais toi-même, physiquement, oui. Tu es fille, tu n'es pas une laide femme, tu n'es pas, oui, tu es là, tu es quand même là. Mais les gars, physiquement, tu ne mérites même pas Blaise Option. Melissa est là. C'est mon opinion, hein. Tu ne mérites pas Blaise Option. Blaise Option mérite une étoile. C'est un très bel homme et talentueux, battant. Il mérite une femme qui est non seulement très jolie, qui brille comme une étoile et qui est une femme qui est fidèle, soumise. Ouais. Il ne mérite pas une femme que non seulement elle n'est même pas trop belle, mais elle est infidèle. Donc maintenant, elle fait pour elle maintenant, c'est que pour donner goût à l'autre, elle sort maintenant, elle affiche sa grosse. Elle est enceinte, moins de combien de temps? Les soeurs ne datent même pas, ça ne fait pas un an. Hein. Où est la grosse? Elle a déjà combien de temps? Elle est enceinte. Imaginez, regardez. Regarde. Tu as laissé, donc tu as fini jusqu'à, tu as pris la grossesse ailleurs. Il faut comprendre que non. De toute façon, avec les relations qui existaient déjà. Donc, ça vient confirmer que tu trompais trop Blaise là. Jusqu'à la photo est venue. Oh, Blaise. Hein. Papa, quand il regarde souvent la photo de Blaise, il est bien vrai, il est beau là. Mais il voit souvent les cornes un peu là. Ici en Espagne, on dit que tu as les cornes. Parce qu'on dit qu'un corne a trompé, c'est un cocu, c'est un. Ici, on appelle cornudo. Donc tu as les cornes sont sur ta tête. Quand ta femme te trompe, on dit que tu as les cornes sur la tête. Donc papa qui regarde souvent Blaise Option, je vois comme ça, il dit, hey, regarde s'il y a les petits cornes là qui sortent là. C'est ça, c'est toi, c'est à cause de toi, Melissa et Laté. Hey, Melissa et Laté. Mami Pima. Ah oui, non, vous êtes fort. Donc, tu vois la grossesse, comme si une grossesse d'il y a peut-être de 5-6 mois. Oui, l'histoire-ci date de combien? Combien de temps? Venez me dire en commentaire. L'histoire de séparation-là date de combien? Jusqu'à elle a une grossesse, jusqu'à le ventre est là comme ça là.
Vraiment. À moins que tu me dises que non, que vous êtes, tu te sépares avec Blaise Option, tu étais enceinte. De lui. Oui. Parce que je ne comprends pas cette vitesse-là. Ça vient juste confirmer ce que Blaise Option dit. La version de Blaise Option. Parce que non, hein, ça c'est la version de Blaise Option. Mais ça, elle attend sa version. Mais ça, ce que tu as, ce que ta grossesse-là confirme même la version de Blaise Option. Ah ouais? Tu n'es pas une femme fidèle? Même pas un peu. On sait, vous allez dire que non, est-ce que les hommes, eux-mêmes, ils sont faciles? Les hommes, oui, mais où est donc la preuve? Celle-ci, on a attrapé. On a attrapé. Toi, on t'a attrapé. Donc, pour toi, on a au moins la certitude que tu trompes. Ah ouais? Hey, vraiment. On se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo à la famille. Hein? Bisous et à sa pente. Et surtout, ne mettez pas les organes. C'est chaud.